tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera des achats. Donc je vais pas vous dire les prix pour tous parce que j'ai pas le ticket de caisse, du coup je peux pas vous dire. Donc on va tout de suite commencer. Donc alors déjà j'ai acheté ça, donc c'est un harnais de la marque Living World, voilà, donc pour petit lapin. Donc celui-ci je crois qu'il m'a coûté 11 € et quelques, voilà, donc il est orange. Il est plutôt pas mal, donc je pense que ça va vraiment être cool pour Nougat parce que j'en avais pas pour lui. Voilà, donc c'était mon premier achat, donc je vais le poser là. Ensuite, j'ai acheté un abreuvoir comme ceci de la marque Fairplast. Donc c'est pour mes oiseaux, tout simplement parce que j'en avais pas de gros, j'en avais que des petits. Et ils se vidaient très vite. Donc celui-ci, je ne sais absolument pas combien il m'a coûté. Voilà, je suis désolée. Ensuite, j'ai acheté ceci mais en double, donc celui-là ça m'a coûté 3,50 €, donc je l'ai acheté en deux fois pour les loulous, voilà, donc c'est super cool que je trouve, donc j'en avais pas et maintenant j'en ai. Ensuite j'ai acheté deux os de sèche de la marque Living World, voilà, tout simplement, donc os de sèche, ça sera pour mes perruches. Ceci m'ont coûté je sais pas du tout 1 € et quelques je pense. Ensuite, donc voilà, désolé pour la pause, hein. J'ai acheté ce truc, donc c'est un perchoir corde pour les perruches de la marque Trixie, donc c'est pour ma soeur pour ses perruches, car ils n'ont pas encore beaucoup d'accessoires, donc ça m'a coûté 3,95 €, donc franchement ça va, puisqu'il va me servir pendant longtemps, enfin j'espère. Ensuite, j'ai acheté ceci, donc c'est un nichoir. Voilà, donc de la marque Carly Flamingo. Et il m'a coûté, je sais pas s'il y a le prix. Là, on voit pas. Non, il n'y a pas de prix, donc je sais pas du tout combien il m'a coûté. Je crois qu'il m'a coûté 8 €. 8 € et quelques. Il s'ouvre comme ceci. Donc je sais pas, enfin, faudra que je le recoupe un peu parce qu'il bug un peu. Voilà, il est un peu chiant. Et il y a le petit truc là qui est à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Ça n'a pas coûté trop cher. Ensuite, j'ai acheté ceci, donc c'est un petite cabane un peu pour hamster, donc avec marqué salon numéro 6. Il m'a coûté, donc là il y a marqué 14,50 €, mais c'était à moins 70%, j'ai lu à 4,50 € je crois à peu près. Donc c'est la marque Living World, comme je l'ai dit. C'est pour le futur hamster de ma soeur qu'elle va avoir dans pas longtemps, normalement, à la fin du mois. Ce qu'il y a autre, enfin bref, c'est Hillside. Et ensuite, mon avant-dernier achat, j'ai acheté du foin premium de la marque Amiform. Donc ce foin est vraiment cool, je l'adore vraiment. Voilà, donc c'est du 20 litres, donc il est plutôt bien. Il sent très bon, donc là il paraît plutôt vert, enfin il paraît vraiment vert, mais c'est parce qu'ils ont mis une coloration, mais il est quand même pas mal vert. Donc ça, je sais pas trop, je vais essayer de regarder si je vois le prix, il n'y a pas de prix. Donc je sais pas, je crois qu'il m'a coûté vers 4,50 € à peu près, pas trop sûr. Bref, voilà, et en dernier achat, j'ai acheté ceci, donc c'est pour les chiens. Il paraît peut-être grand là, mais il est pas non plus super grand. Donc au départ, il était à 25 €, donc ça sera pour mes lapins, bien sûr, je n'ai pas de chien. Mais je l'ai eu à 5 € je crois à peu près. Même pour moins, je sais pas du tout. Parce qu'en fait, il était à moins 70%, donc comme différents objets. Je crois qu'il y avait le Living World là-bas, la petite cabane. Parce qu'en fait, c'est des fins de série, donc il y avait plein de trucs. Et du coup, j'ai acheté ça. Voilà, donc cette commande était vraiment bien. Enfin, j'ai vraiment acheté pas mal de trucs et pour pas trop cher, vu qu'il y avait vraiment beaucoup de promotions. Donc j'ai acheté tout ça. Oui, je vous ai même pas dit où je les ai achetés. Je les ai achetés au jardin du Val de Saône. Donc je sais pas s'il y a des gens qui connaissent. Voilà. Et j'ai pas grand chose à dire d'autre, hein. Je suis vraiment contente de ces achats. Et voilà. J'espère que vous aurez aimé la vidéo, parce que je sais que ce type de vidéo vous aimez souvent. Et j'espère que vous allez aimer la vidéo, la commenter et vous abonner. Bye!